Patrouille Roger qui sauve la galaxie. Toujours prêt à rendre au service à ceux qui ont un souci. Quand tout devient super solide, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, parfait, parfait. C'est génial! Je ne peux pas. Ma trottinette est cassée. Ah, c'est dommage. Si tu la répares, je serai au parc. D'accord. Je vais aller chercher de l'aide. Oh oh, Rover? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. Petit robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers petits robots. Oui, c'est là. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Liquid robot, liquid robot, répar robot, débat robot, briquet robot, costaud robot. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Quelqu'un a rétréci cette fusée. On est les prochains sur la liste. Chef, ce secteur n'est pas sûr du tout. Je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Notre ami terrien l'a appelé trottinette. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Dico Robot, identification. Trottinette. Véhicule qui sert à aller d'un endroit à un autre. Notre ami terrien ne peut aller au parc avec son ami parce que sa trottinette est cassée. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui parfait. Carte mère, mission du jour. Je vais réparer cette trottinette et on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, réparer cette trottinette. Faisons vite comme une météorite. Regardons ce qui pose problème. Je suis prêt pour la mission. Peut-être qu'il faut appuyer sur le bouton démarrer. Je n'en vois pas. Peut-être que c'est ça le bouton, démarrer. Lancement de la trottinette dans 3, 2, 1. Ça n'a rien fait. Oh, je comprends maintenant. En fait, c'est une roue, elle devrait être sur la trottinette. On doit remettre tout de suite cette roue. Chef, qui est-ce qui peut nous aider? Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot pour lequel on se décide. Il y a un robot pour ce boulot qui est un expert en liquide. Liqui robot, activation. Liqui robot, à votre service. Content de te voir en mission, Liqui robot.
J'ai besoin que tu colles cette roulette à cette trottinette. Top débarque. Il y a un liquide pour chaque problème. Je sens que je m'apprête à faire un autre chef-d'œuvre. Pas mal, mais pourquoi m'arrêter quand ça pourrait être encore plus liquidifique? Il faut toujours plus d'anglais au collant liquide. Toujours plus. À présent, testons la trottinette. Ça ne fonctionne toujours pas. Les roues sont censées tourner. Celle de devant tourne, mais celle-ci non. Bizarre. Je pourrais coller la deuxième pour que les deux soient pareils. Il n'y aura jamais assez de super anglais en collant liquide. Je dirais en fait qu'il nous en faut moins et non plus. Un petit coup d'efface au glu, s'il te plaît, Licky Robot. À vos ordres, chef. Coller la roulette n'a rien donné. Comment est-ce qu'on peut la faire tenir? Comment la roulette de devant tient-elle? On dirait que c'est une vis qui la retient. Comment va-t-on la réparer, chef? Je sais quel robot il nous faut. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre les signes. Il y a un robot pour ce boulot qui peut tout réparer. Réparobot, activation. Réparobot, à votre service. Réparobot, j'ai besoin que tu fixes ceci à la trottinette. Je suis le robot qu'il vous faut, chef. D'accord, voyons voir ce que j'ai ici. Des pinces de plutonium? Non. Un hippomarteau? C'est tentant, mais ça fait trop de dégâts. Et si je prenais le fameux tournevis supersonique numéro 9? Ouais, je vais réparer ça en une nanoseconde. Oui, ça fonctionne, chef. Mais ce dont a vraiment besoin cette trottinette... carte mère, est-ce que tu peux m'envoyer un électromoteur? Le modèle de course, si possible. Réparobot, cet électromoteur a l'air très puissant. Est-ce vraiment nécessaire? S'il y a quelque chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est que rien n'est jamais trop puissant. Et activation! Nom d'une fusée! Ce truc est hors de contrôle! Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course. Je ne peux plus enlever mon pied. Ça doit être la colle de Licky Robot. Oh, oh, wow. Hey, on n'arrive pas à ralentir. Un patrouilleur en danger. Oh, oh. Maintenant, je suis coincée dans un genre de boucle hypertemporelle et je ne peux rien faire. Il faut qu'on l'arrête. Je me suis pris les roues dans le tuyau. C'est tout moi, ça. Il s'en est fallu de peu. Heureusement que l'anglue au collant liquide m'a arrêté. Je sais. Je vais me servir de l'anglue au collant liquide pour arrêter cet engin. Licky Robot, il faut que tu asperges cet endroit d'anglue au collant liquide. Oui, chef. Voilà qui est fait. Mais comment va-t-il sortir de cette boucle-boucle? Ça m'a pas l'air du tout possible. À moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1. Oh, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Je n'ai qu'un seul essai. Je ne peux pas rater. Oui! Il a réussi! Bien joué! Pour une fois, je suis content de vous avoir cloué au sol. Licky Robot, de l'efface au glu, s'il te plaît.
je pourrais aussi baisser la vitesse de l'électromoteur. Tu es capable de l'arrêter avec un simple bouton? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait plus tôt? Personne ne m'a demandé. En tout cas, on s'est bien amusé, hein? C'était chouette. Ça, c'est sûr. Et maintenant, cette trottinette est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. Trop génial! On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Hey! Ma trottinette est réparée. Elle est mieux que jamais. Merci, patrouilleur Roger. C'est sidéralifique. Mais pourquoi ça fait ça? Quand je tape dedans, ça ne fait pas comme d'habitude. Mais si on n'a pas de ballon, comment est-ce qu'on s'entraîne? Peut-être qu'on peut en emprunter un? Allons-y! Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Le moment de faire une bonne action. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est là. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est maman. Il y a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robots, les T-Robots, les Parobots, des Borobots, Brico-Robots, Costo-Robots. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. De Jupiter, c'est génial! Qu'est-ce que c'est? Dico Robot, identification! Un ballon de football! C'est vrai! C'est un ballon! C'est sidéralifique! C'est quoi le football? Football! Jeu dont le but est d'envoyer le ballon au fond d'un filet pour marquer un but! Nos amis terriens ont dit que lorsqu'ils frappent le ballon, ça ne fait pas comme d'habitude! Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique. On ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va taper dans le ballon pour savoir ce qui ne va pas. Bien compris, Roger. Ta mission, frapper dans le ballon. Faisons vite comme une météorite. Y'a pas de but! Je confirme, ce ballon a effectivement un problème. Dico Robot, montre-moi un ballon.
Le nôtre est recouvert de terre. Peut-être que c'est cette terre qui le ralentit. On doit faire briller le ballon comme un sous neuf. Et qui va nous y aider? Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux l'on amène? Il y a un robot pour ce boulot, c'est un champion de l'hygiène. Récurobot, activation. Récurobot, à votre service. Ah! Tu es tout sale, chien-chien. Aïe! Au nom de la propreté! Par over, Récurobot! Ça! Ah! C'est l'heure du nettoyage. Commençons par la brosse balistique. Puis on met du super vapeau spatial. Et pour finir, un coup d'aérojet ouragan. Oh, c'est propifique. Ah! Nettoyage. Ne bouge pas, Monsieur Crasse. Juste une spatio-seconde. Maintenant que le ballon est propre, je vois quelque chose. Il y a un petit trou. Il y a de l'air qui s'échappe. C'est donc pour ça que le ballon ne va plus très loin. Il n'a simplement pas assez d'air. Et où peut-on en trouver? Nettoyage, nettoyage, nettoyage. Je ne peux pas te gratter le ventre maintenant, Rover. Je dois trouver de l'air quelque part. Nom d'une galaxie! Bonne idée, Rover! Il n'y a qu'à prendre le tuyau de Récurobot. Excuse-moi, Récurobot, je dois te l'emprunter. Voilà, problème réglé. Toi-même, va! L'air s'échappe encore. Il faut qu'on mette quelque chose pour boucher le trou. Je ne vois pas qui pourrait nous aider à faire ça. Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot pour lequel on se décide. Il y a un robot pour ce boulot qui est un expert en liquide. Liquirobot, activation. Liquirobot, à votre service. Liquirobot, mets-nous quelque chose de bien collant pour boucher le ballon. J'ai l'anglais au collant liquide qu'il vous faut. Top départ, il y a un liquide pour chaque problème. Et voilà. C'est un dessin de cette planète vue de l'espace. Ah! Il y a trop d'anglais au collant. C'est dégoûtant. Il n'y a jamais trop d'anglais au collant liquide. Ah! Mon tuyau est coincé maintenant. Récurobot, arrête de gonfler le ballon! Je ne peux pas! Mon bouton est coincé aussi! Le ballon va exploser! Il faut absolument qu'on le récupère! D'un point de vue technique, c'est impossible! À moins d'être équipé d'un genre de fusée! La patrouille n'abandonne pas! Elle va au combat! Activation des fusées de patrouille dans 3, 2... Oh, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. J'y suis presque, je tiens. Oh oh, mes fusées sont à court de carburant. Le ballon est coincé dans le tableau d'affichage. Si l'on se fie à tous mes calculs, il n'y a aucun moyen de récupérer ce ballon. Quelle que soit l'alarme, un patrouilleur garde son calme. On doit réfléchir. Comment on va faire pour le décoincer de là? Reste tranquille, infâme créature. Je vais te nettoyer à coups de souffleuse.
Pluie de comètes. Encore une bonne idée, Rover. Maintenant, je sais comment on va faire pour le décoincer et le nettoyer aussi. On va envoyer de l'air galactique grâce à cet aérojet ouragan. Je fais vite comme une météorite. Plus fort, Écureubot. Nettoyage à triple vitesse. Je vais t'amener plus près, Écureubot. Bon, réparons-le maintenant. On le gonfle, on le bouche. Et maintenant, Liquirobot, tu mets de l'angluocollant liquide. D'accord. Mais juste un petit peu cette fois. C'est un bonhomme sourire. Maintenant, testons le ballon. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut enfin dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Regarde ça! Il a l'air tout neuf! Regarde! Le patrouilleur Roger! On peut s'entraîner! Merci, Roger! C'est sidéralifique!